Bon, la roulotte, on a déjà une association pour faire en fait un bar et petite restauration. L'idée, c'est qu'on n'a que des produits qui viennent de la région, que ce soit les choses qu'on prépare ici, où il s'agit de salades, de taboulés, de sandwichs. On fait tous nos sirops nous-mêmes, les thés froids, etc. Ensuite, bon, on a aussi les gâteaux et tout qui viennent de par ici. Ensuite, on travaille tout avec des commerçants en fait locaux, que ce soit pour le vin, que ce soit pour la charcuterie, le fromage. C'est vraiment que des choses qui viennent de la région. Ou alors de Suisse. Mais voilà, on a de temps en temps ces petits casse-têtes à savoir comment trouver de l'eau qui vient d'où et pas de Nestlé, etc. Donc ça, c'est aussi l'enjeu vraiment de savoir d'où les produits viennent. Et puis, donc ça, je dirais, c'est la charte globale de la roulotte. Puis après, voilà, je pense que l'idée, c'est que vraiment que ça soit un lieu de vie plutôt qu'un commerce. Et au-delà, un peu un lieu culturel, mais ça, c'est à voir, justement. Mais il relève que chaque jour, on a des produits qui viennent du marché, que c'est toujours différent, que... Enfin voilà, que c'est vraiment correct. Donc on a beaucoup de chance en fait. Je pense que les gens ont vraiment envie de suivre ce projet-là. Donc on a du soutien en fait de leur part. Ça ouais. C'est vachement bien. Ouais. Alors on va prendre Grenoble.